Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire Noctilus. Code vampire, bientôt la fin, j'en suis sûr. Alors, petit aparté, vous voyez une barre en bas à gauche. Oui, alors si jamais vous voyez cet épisode, mais de toute façon je vais linker l'information sur communauté YouTube si jamais il y a des personnes qui souhaitent participer. Et du coup, cette barre, bah, vous la verrez en ce moment souvent sur les épisodes parce que elle est affichée pendant à peu près une vingtaine de jours. À partir du moment où je fais cet épisode où on est le 3 février. Voilà, simplement. Hein. On commence par cette petite bataille. On va chercher Tenwin parce que je pense qu'on peut le faire. Ça va faire du bien, je pense, au Skaven de savoir que il est supprimé. Bien sûr que monsieur accepte la bataille, mais bien sûr que je le défonce tous les jours. Je peux même attaquer Claire. Apparemment, c'est plus simple pour moi. Résistance ultime sur Luthor. On va voir à combien... Je vais pas arrêter de faire la blague. Hein. Luthor... Luthor de Sgore. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Non. Vous. Je suis sûr que vous... Voilà. Peur, terreur. Encore une fois, hein, si jamais sur Twitch, si vous vous posez des questions, mais comment ça se fait qu'il a Luthor alors qu'il joue Noctilus? Ce sont des mods. Point d'exclamation. Mods. Avec un S. Pour voir tous les mods que j'ai mis dessus. Lex Luthor. Donc ça serait une perruque. En vrai, au niveau de la tête, on est peut-être pas loin. Hein. Ah non, moi, Luthor de Sgore, cherche pas ta tort. C'est autre chose. Et oui. En plus, j'ai revu le truc à un moment. Vous savez, des fois, YouTube, quand tu commences à regarder des répliques de films, eh ben, ça te bourre encore de répliques de films. Et à force de te bourrer de répliques de films et de répliques de films, bah... J'en ai vu pas mal en ce moment. J'en ai revu pas mal. C'est toujours bien de se remémorer ce genre de petits moments cultes qui te donnent des fois envie de revoir les films. Alors... Je pense qu'ici, je fais bien. Voilà. Et Luthor va servir de spotter. Et pendant ce temps-là, on va manger son brownie. T'as réussi toi Robin à te faire ta config ou c'est toujours en suspension aussi? Allez, on les défonce. Oh, GG. GG. Ah, il y a Jeannot là, il est jaloux là. Ah, quoi? Et moi? Le pauvre, il attend sa config depuis je sais pas combien de temps là. Eh tiens, là.
Je pensais, je me posais la question si j'arriverais à me démerder pour faire en sorte que ma config soit là à peu près au même moment que l'anniversaire. Et à mon avis, alors pourquoi ça frisait là? Allez, bientôt les... C'est marrant avec eux, hein. Franchement, tu te prends pas la tête. Regardez, vous voyez les dans les airs, boum. Hop là. Ah, c'est aquatique, attendez. Je vérifie ça. Ah ouais, c'est aquatique, hein. Regardez. Alors, évidemment, hein, comptez sur les mortiers pour toujours aller 52% de résistance ultime. Boum! C'est ça, il a tout compris. Donc t'es win quand il s'énerve, il pète des câbles et il sacrifie ses troupes. Ok, je note, hein. Je note, hein. J'ai le bateau. Oui, j'ai le bateau. Est-ce que je vais utiliser le bateau? Ça paraît compliqué. Ouais. Regardez un des plus beaux sorts du jeu. Allez, tiens! Bam! Je me demandais si ça allait foirer les coups de canon vu que c'était un peu en pente. Allez! Boum! Bon, bataille assez facile, hein? Mais je pense rendre service à Mulder en faisant ça. Vraiment, je pense que... Là, je lui efface une certaine gêne. On peut évidemment aller chercher l'argent parce qu'on sait jamais quand on va en avoir encore. Alors là, j'accélère un peu les problèmes quand même, hein. Ah non, je peux l'achever. Allez. Voilà. Alors j'espère que vous entendez assez bien, hein, le jeu d'ailleurs. Moi, c'est bien, c'est que ça a baissé le son pour moi. Ça va faire du bien à mes oreilles, je pense. Allez, un énorme trésor. Lol. Yes. Yes, sir. Ok. Ok. Bon. Et là, du coup, avec lui, ce qu'il faudrait, c'est que je remonte
peut-être... Je suis sûr que je peux le faire en plus. Hein. Ouais, j'intercepte ses armées par là. Là, il est en train de faire une armée. Il peut essayer d'aller choper ça et tout. Ouais, non, non. Je pense qu'avec lui, il faudrait que je remonte par ici. Comme ça, je vais chercher ce qu'il faut. Ok. Je m'entends en retour? Non. Non, non, je m'entends pas. Mais je fais attention à ce que normalement vous ayez les sons adéquats. Vu que j'ai changé de casque, des fois ça fait un peu peur. Peur. Je peux l'intercepter lui. Ce serait ça en moins. Count Noctilus Reigns. Je peux l'intercepter. Donc techniquement, bah, vous voyez, il reste maintenant... Il me faut combien? Là, pour avoir le... Il me faut 1875. Donc déjà, on va dire qu'il faudrait 10... encore 600, enfin bon... Une quinzaine de tours, voilà, concrètement une quinzaine de tours. Du coup, on va dire, alors 17 tours, plus avant, 13 tours, plus avant, oh, il faut 30 tours. Bah non, parce que du... Quoique. Non, ça va aller vite, je crois. Je sais pas. En fait, je sais pas. J'ai la flemme là, là j'ai pas la réflexion. Re Jeff. Bon courage pour le boulot, Jeannot. Désolé si des fois je manque des messages, mais avec le projet, c'est vrai que ça prend de la place. Est-ce que j'attaque ça, mais après, je risque d'avoir eux sur le dos. Et ça, je suis moyen chaud. Maintenant, si je le tue, c'est bien aussi. Après, si je les bait, eux, c'est pas mal. Parce que j'ai peut-être moins peur de lui que des autres. Là, là, vous savez, ces messieurs-là, ils sont un peu dangereux, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est pas mal de bait le danger et d'essayer de l'intercepter après. Ici, ok. Donc là, je vais essayer d'aider lui à gagner contre Exoat avec cette armée-là. Ensuite, Silostra. Silostra, petit plaisir, attention. On va se faire un convoi de fric. Je vous raconte pas. Est-ce que c'est toi qui as le charpentier? Non. Et ça serait pas mal que tu l'aies du coup. Pourquoi t'as pas le quartier maître? Où est le charpentier? Et chez Luthor. Ok. Et Luthor, il s'est acheté quoi là? Bah rien, il a tout. Bon bah du coup, charpentier sur Silostra. Au prochain tour, on détruit ça. Le petit convoi qui fait mal. On essaye sur une armée qui est pas forcément folle, folle, mais on va voir. Et en même temps, hein, on se tient au courant pour savoir si tout d'un coup. Je reconnais pas la map comme ça, là. Ok. C'est dommage, j'aurais bien gagné les hauteurs, là, non? Ça, c'est un coup à se faire contourner, ça. Non, Silostra, c'est bon. Comme ça, ça protège les canons. En
Ensuite... On met ça là, comme ça une fois que les canons seront trigger, ils vont tirer, les autres vont avancer, nous ça nous met bien. On va évidemment chercher le tanking avec ça. Les deux autres derrière pour intercepter ce qui reste. Les quatre sirènes, pareil. Le marrant, c'est qu'avec ça, je peux peut-être me protéger des canons pour mes canonniers. Ça peut être pas mal, hein. Voilà. Et bah du coup, c'est parti. Alors, ils vont pas venir, évidemment. Moi, je vais aller les chercher avec Silostra. On va essayer d'esquiver. Alors, c'est pas forcément facile à remettre, ce casque. Le savon de vire. Salut Fenua! Mais ça va et toi? Donc là je pense que là... Ok ok d'accord, t'as approché ça, bah tout de suite je punis. Et c'est assez fort pour vous le jeu là? Ok. Ok, il reste un petit peu de temps. Une première fois, on va être bon. Par contre, après, t'as intérêt à courir, hein. Ok, ils sont trigger, c'est sûr. Voilà, on tient le coup, c'est cool. Allez, boum! On essaie d'en intercepter le plus possible. Merde. Ok. Ah, pour l'instant on est bon. La Rex Guap qui vient se frotter à Silostra, pourquoi pas. Je suis pas sûr de pouvoir arriver à passer. Ok, on se replace. On est bon.
va activer ça. Ok. Je fais gaffe parce que mes sirènes peuvent prendre très cher. Hein. Ok, on a quasiment rien perdu ici. Tout parfait. Ouais, quand elle vous dit ça, faites-le. Hein. Sinon, ça va la vexer. Et on n'aime pas quand Silostra est vexé. C'est joueur d'épée contre Mongul, du coup. Ils ont l'air mignons. Hein. Alors je vais essayer un truc. Voilà. Regardez, tac. Je sais plus s'il tire en déplacement ou pas. Non, il tire pas en déplacement. Hein. Non. Parce qu'il pourrait faire super mal. Ils sont assez rapides. Ah, tu tac. Hop là. Est-ce qu'il serait plus efficace? Non, pas à pied, ça me paraît bizarre. Enfin, à pied. Genre au contact. PPR confiné sur mon île. Il fait beau au moins là-bas? Non, hélas, pas d'heure pour le teaser. En tout cas, je n'en ai pas moi. Ah, il y a eu un bug de chat. Ok. Donc là, normalement, c'est pognon, là. Hein. Pognon, pognon, hein. Witness my majesty. 7500. Ça paye. Madame Silostra Dearfan. On peut commencer. Alors. Capacité d'amélioration relique du passé. Je ne sais pas du tout. Ressusciter de tels champions tombés au combat dans le but de trahir la dame. Et de les faire servir de nouveaux maîtres n'est que pure profanation. Certaines choses ne devraient tout simplement jamais être introduites dans le monde des mortels. Jamais. Donc là, j'ai des chevaliers du royaume maudit. Et là, j'ai des chevaliers de la quête maudit. Quête ou royaume, j'en sais rien. Eux, ils ont reliques du passé. Pareil. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas lequel est le mieux parce que je m'en rappelle plus de ce qu'ils font exactement. Il me semble que les quêtes, les chevaliers de la quête, je les utilisais plus souvent que les chevaliers du royaume. Je ne sais pas du tout. On va prendre la quête. Alors. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'aider Quick ici. Pour qu'il n'ait plus jamais de problème de ce côté-là. On va essayer d'aider Quick. Et comme ça, au moins, si jamais je perds de l'autre côté, c'est pas grave. J'ai ça. Et derrière, je me débrouille pour... Bon, je suis pas sûr de tenir là. Hein. Je pense faire ça pour que Quick n'ait plus d'ennemis ici. Et qu'il n'en ait que... Sur là, cette petite zone à la limite, où je peux très vite m'en débarrasser et lui rendre service, et peut-être l'aider après sur ce front-là. Ça serait pas mal. Voilà, voilà. Donc, Silostra, je pense que ta mission, c'est de récupérer Firus
Alec, Koffer, Lachiek, les îles des sorcières. Et après, on verra. Et derrière, après, tu détruis tout ça, là. On s'en bat les couilles de tout ça. Enfin, après, si on peut se faire un peu de fric. N'hésite pas, hein. Mais... I don't care for this order. Donc, on considère que Sartosa est ultra protégé. Surtout que j'ai Aranessa pas loin et que je vais peut-être commencer à faire un autre seigneur. On va prendre plus efficace en campagne. You dishonor me. This will achieve nothing. I must keep my holy vow. No. Si je veux attaquer ça, c'est par là. Ouais, on y va, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Ok. Salut Jibjab, merci du coup Master Crow. Bah, t'avais peut-être déjà follow, merci à toi en tout cas pour ton follow, bienvenue. Ou il y avait quelqu'un qui a un pseudo similaire au tien. Ensuite. Ouais, j'ai pas mal de gens qui convoitent assez cette ville. Ce que je comprends tout à fait, mais c'est vrai que... Allez, tout ça on dégage. Voilà. On essaie de faire une trésorerie plutôt conséquente parce que on sait qu'après ça pourra être chaud. Allez, on dégage Marcus. Je sais pas quel trait il va me donner, mais... Ok. Il y a ses crocs peut-être, je sais pas. Et en tout cas, bienvenue. T'as découvert comment, du coup, par curiosité, Master ? C'est apparu comment ? Les canons. Le gros canon. Les petits canons. Tous dans le camion. Non, pardon. Hop. Hop. J'ai plus de héros vampires. Ça, c'est un problème. Stream sur Total War et j'ai vu le tien qui paraissait bien, tout simplement. Ok. Ouais, je me posais la question si j'apparaissais par exemple sur le truc de Twitch au début ou... Ok. Allez, on dégage tous les canons si possible. Force de prendre des coups. Tu veux que j'avance un peu mes canons? Allez, t'as gagné. Ah ah ouh. Ah. Aïe. Ah mais faut que je demande à viser ça là, c'est pas possible. Tant pis si vous avancez les gars, ouais, non mais il faut là. Ah
Arrête! Arrête de tirer dessus! Voilà, prends-toi, tiens, chais! Allez, encore, encore, encore! Tout dans sa gueule! Ah, celui-là, il est pour qui? Et vous êtes les élus! Boum! T'as plus de canon là! Ah, heureusement qu'ils sont goldés, hein. Ils tiendraient jamais normalement, hein. Cure! Oh putain, on est wanted! Aidez-le, 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 aidez-le. Personne veut approcher? Ah! Ah, cache-toi! Pourquoi eux? Ouh. Attention, esquive! Ah! Non mais il balance combien de trucs, hein? Oh, je vais te défoncer. Oh, je vais... Je vais te défoncer. Putain, mais il balance des obus, lui, quand il tire des flèches. Le mec, c'est pas un arc, il a. Viens ici. Merde. Viens ici, viens ici, viens. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, putain, je vais négocier, moi aussi. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, que je te dis. T'as voulu faire le malin? Et bam! Allez, retourne-le là. Voilà, tu n'as pas, tu occupais pas, c'est Aranessa, elle va s'en faire son casse-croûte là. Attention! Bam! Allez, boum! Y'a quoi, Wulfric maintenant? Bah, Wulfric. Wulf. C'est quoi déjà? C'est Wulfar. Allez hop. Boum boum boum. Voilà. Elle est pas prête de revenir l'autre, hein. Wulfar. Ah non, mais non, mais en même temps l'autre c'est Wulfic, l'autre c'est Wulfar. Ah là là. Marcus. Viens l'autre, Wulfric, c'est son prénom. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'en Orska tu te poses cette question. T'as un nom, un prénom? Mage dans ta gueule. Quoi, c'est ton prénom? Non. Another victory. You're my crew now. That's right, lads. Plenty for all. Oh, il reste encore. Come see brigands. Oh. Oui. Oui. Oui, 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 hein.
Ah oui, 5% de puissance des tirs, l'armée du Seigneur. J'ai hâte de vous montrer à combien montent mes tireurs. Ah bah ça va être rigolo. Fufu met des baffes de dieu. Enfin bon, le mec... J'ai toujours soupçonné que de toute façon Coulthard c'était sûrement un X-Men. Il y avait quelque chose, je trouve. Alors, le truc est de savoir s'il y a un blessé, oui. Et je pense que c'est lui du coup. Le problème, c'est que je sais pas quand il revient. Je ne sais pas du tout. Est-ce que je peux prendre un truc en attendant pour combler? Non, on peut rester comme ça. Ok, je crois qu'on a fait notre tour. Donc lui, il a bougé. Au prochain tour, on s... Alors, on remarque, c'est pas cher au début. Elle sait. Son armée, c'est quoi? Ouais, il y a des Prométhéens pourrissants avec tireurs dessus, avec des escoupettes. Il y a des Mourngules, il y a des sirènes, il y a des homards. Donc, techniquement, je n'ai besoin de rien là-dedans avec elle. Donc, ce que je peux faire, c'est soit j'augmente ça. Tilostra, Balkany. Ah oui, je savais pas. Un ancêtre de... Non. Je peux décider d'augmenter ça. Qui augmente ses dégâts, tout ça. Ah non, je sais ce qu'il me faut. Ça. Parce que j'ai pas les spells et c'est pas bon. Je peux pas trigger correctement. Donc il me faut ça. 100%. Ici on bouge pas. Et ici c'est bon. Au niveau des investissements des villes. Ok, 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 ok. Et là ça va être amené à grandir. Au niveau des points. La danse macabre. Le tireur... Non. Le vampire. Fleet captain, reporting. Ok. Paladin of Britannia. On peut décider d'attaquer. Qui quoi? Mais c'est nul cette armée là. Ça fait quoi là? Mighty warrior. Beyond even. Ouais, ils s'entendent tous, donc que j'atteigne l'un ou l'autre, ça ne change pas grand chose. Ah, 84% échoué. Pourquoi pas, au niveau des trésors, on va faire un petit check-up rapide. Il y en a un là, ça me va, là, ça me va pas. Là, ça me va, là, ça me va pas. Ça me va pas. Ok. Et c'est parti. Salut l'érudit. Salut Scandar. J'espère que vous allez bien.
Time for battle. Regardons, on sait jamais. On va essayer. L'attente insoutenable du teaser. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Et là, et là, et là. C'est pour l'application mobile. Tout le monde l'a dans le cri. Ah, ça me tuerait, moi. Parce que je vous rappelle, il y a une application, hein. Que j'aimerais bien essayer, d'ailleurs, mais je me suis pas encore renseigné dessus, hein. Ah, je serais mort. Mais alors, tellement. Je vous jure, les gars, ils font ça. Je suis mort. Bon. Est-ce qu'on part du principe qu'ils essayent d'enfoncer cette porte ou... Ouh. Ah. Ouais. Je pense qu'on fait ça, hein. Et avec ça, on essaye... je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant, une défense centrale, mais bon. Orders. Storm them. Your orders. Off deck. Let it begin. On va essayer de pas les oublier. Ah, ici, j'y crois pas trop parce qu'ils enfoncent vraiment la porte, hein. Maintenant, s'ils le font, ils sont morts en fait. Et c'est pas possible. Je sens que l'IA risque de faire de la merde. En vrai. En fait, j'ai même pas besoin d'eux. Puisque j'ai eux. Ah bah eux par contre ils rigolent pas. Au niveau des tirs, quand t'es dans leur portée, tu sais, ils ont un genre de canon scié dans les mains. Et il est pas là pour rigoler, hein. Je sais pas pourquoi je sens que là l'IA va faire quelque chose de rigolo. On va voir. On va voir ça en direct. Ah, mais il me reste des trucs à installer. Le mortier, je le mets où? Le mortier va où? Le mortier, je sais pas où il va, moi. Par contre, je pourrais mettre eux ici. Parce qu'en vrai, s'ils tirent là-dessus, ça serait rigolo. Ils utilisent beaucoup de munitions pour pas grand-chose. Un effet très réduit. Je peux les coller là, hein. Comme ça, ils sont inatteignables par les canons. Voilà. Oh but. Ok. Changement de manœuvre. Ok, ils s'en battent les couilles.
Je l'ai vu! Allez. Non! Non! Oui! Chopez-le, lui! Bon, bah du coup, toi, il va falloir que tu montes, hein. Oh là 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 là. On va mettre 3 ans. Après, elles sont pas nombreuses, hein. Ouais, toi. Non, 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 feu, 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 feu. Ah, je l'avais dit que ça allait faire mal, hein. Est-ce qu'en vrai, j'envoie ça dessus? Je suis pas sûr de les faire. Mais putain, mais ce truc, il arrive à choper des angles de malade! Merde! Je les ai oubliés, c'est con! Merde! Ah oui, non, mais là, là par contre, ça c'est fail ça. Ça je reconnais, c'est fail ça. Mob! Get them!
We will kill them all. At once. Yes, master. Coucou. You. Kala. Oh, boum. Bah alors. Bones and flesh. Ok. Ici on est bon. Pourquoi le truc il monte pas ici là? Oh j'adore. Ici c'est bon, ici c'est bon. Ok, ok. Non, 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 non. Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Pourquoi il tire si peu, je comprends pas. Yes, c'est vrai, t'as besoin d'être aussi proche pour tirer, pardon. Ok. Ouais, mais alors là, c'est forcément ça c'est mort, ça, je reconnais. Mais comme ils mettent 3 ans à les descendre, les héros, ça par contre, c'était, fallait forcément le prendre en compte, ça, à un moment. Hein. Là, on a un héros qui veut jamais abandonner. Regardez, mais tirez! Allons, 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 le cerveau, faut, faut! Merde, putain, il fonctionne plus, il pourri! Il est pourri! Ok. Ici c'est bon. Non mais par. Voilà quoi. Bon, il capture le point, mais c'est pas grave. On peut... Si on arrive à gérer ces héros, c'est surtout ça le truc. Voilà. Allez, tu dégages s'il te plaît. Merci. Ok. Là, maintenant, on va s'occuper de ça. Ici, il va falloir forcer le passage, forcément.
Je vais vous demander de reprendre le mortier. Joueur d'épée. Voilà, là ils ont capturé le point. J'ai 200, enfin, j'ai 200 points avant. Avant que ça tombe. Le moral, il est quasiment cassé chez eux. Hein. Donc, en vrai, c'est faisable. C'est pas trop ce que fait le tank, mais ok. Et là, s'il s'effondre. Ok. Retraite, ok. J'ai encore 130 points. Encore une salve. Encore une salve. Voilà, à toi. Ah putain, mais il y a le tank à la con. Ok, je crois que ça abandonne. Yes, ça abandonne de partout. Fallait que je compte sur ça. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. 38 points, putain, qu'ils sont lents. Non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que je suis sur le point, mais ça va quand même se terminer. Ah, j'ai pas pris en compte le tank indémoralisable. Dommage. Ouais, non, mais lui, il est zéro. Il a fait zéro mort. Il était en contact parce que tout d'un coup, en fait, l'autre a brain. Il est parti sur la droite, ça. Moi, j'ai des zombies qui se déplacent à deux à l'heure. Donc, quand je suis installé... qu'il possède, honnêtement, c'est pas lui qui fera grand chose avec Miragliano. Ça se récupérera plus facilement. Alors. C'est honteux. Non, mais pff, si j'avais été bien placé là, pff, oh, j'aurais fait tellement de dégâts. En fait, j'aurais. Je sais pas, peut-être j'aurais dû concentrer vraiment. Je sais pas de ce dont j'ai besoin. On veut m'obliger à choisir. Au cimetière, ça me permet d'avoir un artilleur. Bah pourquoi pas. On se regarde un peu dans le blanc des yeux là-bas là. Mais par contre ici, t'inquiète pas mon gars, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Je vais en faire en sorte que lui, il n'ait plus d'armée hein. Pour que le Skaven puisse vraiment après se déplacer. Oh que c'est la peste. Viens pester sur tous nos ennemis. This is absurd. Beyond
and even quiet. I cannot rewrite reality. Beyond even quiet. Impossible. Far beneath an arch. Ce que je comprends pas, c'est que lui, je le bait et il vient jamais. I cannot rewrite reality. Absurd. Pff, niveau 1, bah dégage. Je suis sûr que cette connerie là. Ok. Bon, si l'Ostra, elle arrive. Je peux décider d'attaquer ça. Je peux me faire vite fait. Bon, après vous, en termes de force, ouais, c'est un peu ridicule. Hein. Puis apparemment, t'as une force là-bas. Alors bon. Chouman 1. Ouais. Alors du coup, je pourrais choper ça. Comme ça, ça me ferait un appui sur la zone. Donc, toi, en plus, t'as quasiment pas de force. Si l'Ostra, je suis assez confiant pour la mettre ici sans me dire qu'il y a des grosses armées qui vont m'attaquer. Après, n'empêche que je peux faire un petit passage rapide peut-être dessus. Hein. LOL. LOL. Alors. C'est vrai que s'il voit ça comme ça, forcément. Et non. En vrai, c'est intéressant quand même de se dire que les escopettes, littéralement, stunnent les ennemis quand ils se mettent à tirer. Les canonniers tuent, mais ne renversent pas. Les escopettes tuent et renversent, j'ai l'impression. Ah tiens. Ah si, je l'ai. Bah là, ça va être le moment de les utiliser, celles-ci. Ces unités-là, peut-être correctement. Ça, je vais peut-être y trouver vraiment un intérêt, là. Oh, par contre, quel terrain de merde! Là, je sais pas trop sur quoi ça va tirer, mais... Bon, si jamais vous pouvez reculer un petit peu. Je suis preneur. Ouais. Normalement, t'as toujours langue pour les avoir, je crois. Pire, tu me dis, j'envoie les chevaliers en moi. Ok. Attention au Pégase, hein. Je peux essayer d'attirer les Pégases dans la zone de tir des canons. Je peux essayer avec eux, ouais. Je vais essayer de les attirer dans cette ligne de mire là. Bon bah essayons ça, voir. Tremble there!
Ah non, ça je crois que c'est... Le Graal c'est... C'est quand même le Graal, hein. Pas de la merde, quoi. Merde. Ça rentre. Ouais, là le problème, c'est que je vais avoir du mal à être efficace. Ça c'est bon. Ouais, j'en ai perdu un du coup sur un... Bon, ici ça bloque pas mal, c'est bien. J'aurais pu essayer de mettre une régène dessus. Ah mais il pousse les deux, hein. Merci Bélilou. Salut Bubuche. Merci énormément Bélilou pour les 10 abonnements offerts. À Foufriche, à Chandry, à Ekish, à Ragnar, à l'Enclumator, à Monsieur Nab, à RGG Project, Tifish, Xavier Laurent et Balkoun. Merci beaucoup. On voit ce craquage d'un coup. Et merci du coup Bubuche pour ton follow. Le paramètre difficulté de bataille change les stats des unités adverses ou l'intelligence? Les stats. Simplement les stats. Merci énormément. Alors je sais, on m'a dit récemment en commentaire YouTube, le WAG est chiant, mais oui, mais il faut en même temps, quand une WAG... on est nombreux, il faut bien sûr crier la WAG, je pense. Ça se tient. Après, je pourrais peut-être essayer de trouver le WAG plus long, mais moins répétitif, et un autre son avant, en amont. Peut-être que je pourrais essayer d'améliorer. Mais en attendant, pour l'instant, c'est toujours comme ça. Ah, eh ben il faudrait qu'il choisisse son pseudo alors. Mais merci beaucoup en tout cas, Bélilou. Merci énormément pour ce craquage de 10 subs offerts. Merci beaucoup. Oh, j'ai perdu... Ça, c'est relou, ça. Ah, je peux peut-être quand même y aller. Oh, oh. Non, je peux pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Eh ben, hop, voilà. C'est gratuit. C'est bien quand c'est gratuit. Siren of the storms. Ici c'est bon. Là je pense qu'il faut attendre. Comme ça j'ai enfin le dernier. Là, elle peut aller chercher ça, mais non. D'abord, elle, on va évidemment chercher ça.
Donc là, j'attendrai, hein, parce que j'ai beaucoup à investir ici. Pour l'instant, on n'investit rien. On attend. Alors, ici, c'est OK. Ici, c'est bon. Là, bah, on bait toujours. On attend. Hein. Là, c'est bon. Et là, du coup, on pourrait... Voilà. Ça, c'est bon. Plus 15 à la magie. Faut pas que j'hésite. Faut pas que j'oublie à chaque fois de régène. Hein. Ça peut me coûter cher hein, quand j'oublie ce genre de choses. Hein. Donc on peut faire un fin de tour. Ça fait quand même 1h11. Alors Bellilou, que pourrais-tu choisir? Est-ce qu'on utilise simplement Bellilou ou on utilise un autre pseudo? Parce qu'il y a eu un craquage de 10 000 points en ton honneur. Pour ce craquage, petit sub. Ok. Je vais t'en choisir un bon. Qui ne pourra pas succomber de ses blessures. Merci Mundo. Oh. Tu sais que c'est mon personnage préféré sur League of Legends, Mundo. Parce que Mundo dit souvent son prénom pour pas l'oublier. C'est important. Et son meilleur skin, c'est Mundo Mundo. Après, je crois pas que ça s'écrit comme ça. Donc, c'était peut-être pas une référence, mais en tout cas, tu m'as fait penser à ça. Alors. Et bah, du coup, ici, instantanément, on peut récupérer ça. Ah, il faut le 2 de croissance, oui, c'est vrai. Du coup, on ressuscite de nouveau un cadavre. Après, on fonce sur Al-Ek. De ce côté-là, on va chercher, je pense, l'armée, si on peut. Bien sûr qu'on peut. Donc, on va chercher cette armée. On a un rituel ou pas là actuellement? Non. Et mon rituel il est dans 6 tours. C'est plutôt bon signe pour moi, ça va m'aider. Hein. Donc on va chercher cette armée. Voir les deux. The sea father calls. His daughter answers. Ever been press-gagged before? The Queen of Tides. Y a pas d'artillerie, donc ça va être rigolo. Ça devrait normalement être assez simple. Bien, c'est qu'on peut se mettre dans la flotte sans trop craindre. Et c'est là qu'on va faire le test pour savoir si ça... Enfin, de combien ça va augmenter grâce au petit 5%. Parce qu'on se dirait, bah, du coup, 5%, oui, mais il faut cumuler tout pour voir ce que ça fait vraiment. Toujours lui au centre parce que il a un effet démoralisateur pour tous ceux qui essaieraient d'approcher, c'est plutôt intéressant.
Tac, tac. Allez. Oh bah, si ça peut être le tank dès le début... Je dis pourquoi pas. Find me, Plunder. Good. Il est mort ? Ah non. Il a quand même réussi à tirer, hein. Ah non, je croyais qu'il s'arrêtait pour tirer, mais non. Attention, let's go. 240. Ça va. Si 242 tirs sur 120 unités, je pense que c'est pas mal. Bah, le spectacle, c'est ça. Hein. La Gatling à côté, c'est de la merde. Hein. Oh, oh, peut-être pas, mais... Et venez là, vous, là, parce que je sais ce que vous voulez faire tout le temps. Voilà. Le problème, c'est que j'ai toujours pas de... La possibilité de régène. Ça, c'est chiant. Les joueurs d'épée qui peuvent simplement pas approcher. Il y a beaucoup trop de tirs et plus ils se rapprochent, plus on devient précis et plus on fait mal. Et ils sont assez faciles à bloquer parce que généralement je réserve le filet pour une unité qui s'approcherait trop des tireurs. Bon là c'était sur la gauche. Je peine un peu, c'est au niveau des...
justement des homards plus les bigorneaux qui interceptent. Qui résistent bien pour les bigorneaux, mais pour les homards, ils prennent un peu de dégâts, mais il faut qu'ils montent goldé. Ça l'aidera déjà pas mal. Allez, encore de l'argent. Oh. Ok. C'est pas lui qui m'attaquera, je pense. On va voir ça. On se met comme ça. Je pense pas non plus que ce soit lui qui m'attaque. Ensuite, du coup, Silostra, on avait dit, bon bah, on a commencé à mettre un pied dans le désert pour justement tout rechoper ici, ne plus en parler. Après, il va falloir aider absolument le Skaven à remonter la pente de ce côté-là, en essayant de garder une armée ici pour défendre, si possible. Bah, avec lui, du coup, c'est un piège que je vais tendre à lui. Ça va être de toute beauté, 80% de chance. Si ça passe, eh bah, il est mort. Hein. Simplement. Merde, je suis dans sa petite zone d'influence. C'est vrai qu'ils ne veulent pas. Bon bah tant pis. Allez, on se montre devant lui. Voilà. Toi c'est bon, toi c'est bon. Ok. Ok, on regarde si le bait marche pour Noctilus. Du coup, Silostra a gagné un point que je vais mettre. Ce serait pas mal pour elle, ça, quand même. Elle a combien, déjà, actuellement? 9868. Et avec ça, un petit 8%, ça l'aiderait un petit peu. Le paladin, niveau 40. Rien que ça. Eh ben, il a tous les points que je voulais. Sauf Amosher, du coup. Toi, tu attends. En fait, j'attends simplement qu'ils viennent m'affronter avec, mais ils veulent pas, ils osent pas. Je comprends, parce que c'est vrai que son armée, elle rigole pas, mais... Voilà. On fait un fin de tour pour voir ce qui se passe. Oui. Oui, il faut pas que j'oublie, ouais. Je le ferai, bah tiens, juste après l'enregistrement. Oh, le clan Morse qui a tellement perdu en force, en vrai. Il a déconné, hein, quand même. Hein. Mais le clan Pestilent revient. Renaissance qui se fait attaquer, mais elle est niveau 5, je le rappelle. Ici, pour l'instant, c'est bon. Échec total chez... Et bah, du coup, on ne se fait pas attaquer. YouTube, on va s'arrêter là. Bon, bah, du coup, lui, on... Ouais, non, il est pas très dangereux, hein. Honnêtement, il est pas très dangereux. On a de quoi se défendre à l'intérieur. On est que niveau 4. Oh ouais. J'avoue que je croyais plus. Là, sans s'en rendre compte, je peux l'attaquer. Est-ce qu'il accepte la bataille? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Donc, ce que je peux faire, c'est partir là. Voilà, bref, je vais du côté de Renaissance, je vais intercepter cette armée, je la tue, je tue et j'essaie de repartir par là. Voilà. Du coup, YouTube, je vous fais des gros bisous, je vous dis au prochain épisode en espérant qu'on arrive à récupérer du territoire et à aider Quick. Ici, qu'on arrive à aider Skrulk. Et qu'ici, on arrive à se défendre. Des bisous.